Donc le pire, c'est que la petite phénomène marron est à côté de la tétine, en fait. On va l'aider un petit peu. Alors, pour pas que ça fasse trop de suçon, on met un petit doigt dedans. Et voilà, la tétine, elle est là, choupette. Eh oui, c'est mieux. Donc là, on voit bien, en fait, les chiots qui donnent des coups de bélier avec leur tête et elles, qui pétrissent avec leurs pattes pour faire monter le lait. Et là, ça y est, le lait vient d'arriver, c'est que du bonheur. On entend même les déglutitions. Là, c'est le petit mâle noir hein, qui a les paupières décollées. Puis on voit déjà qu'il aura les yeux clairs, au reflet. Là, au moment où le lait arrive, en fait, on a tout le temps la petite queue qui frétille. Ça va, cool, Raoul. Alors, on a aussi les paupières qui sont décollées pour le petit mâle bleu. Donc là, on a la petite femelle marron. Donc les yeux ne sont pas encore... Tu tiens la longue, ma choupette. Là, c'est l'heure de la sieste. Et venez partir faire un petit tour dans le jardin. Femelle rose, mâle turquoise, mâle noir, femelle violette, femelle rouge, le mâle bleu, femelle marron. Donc après le nettoyage de la caisse de mise bas et le changement de drap, on remet tout le monde dans la caisse, propre. Je pense que petite femelle rouge se croit à la plage. Alors aujourd'hui, c'est la remise en contact direct de Kajika et Even. Donc Kajika, c'est la maman d'Even. C'est une de nos femelles stérilisées retraitées. Elle a 9 ans et demi. On la réintègre très très tôt. On voit que les deux femelles se jaugent. Kajika, c'est une femelle très très codée. Donc, après une longue période d'échange à l'extérieur, on vient de faire rentrer Even et Kajika. Donc Even se met tout de suite en protection des petits dans la caisse de mise bas. Donc Kajika, elle respecte tout de suite une distance de sécurité. En restant à l'entrée de la maison. Mais tout ça va se détendre au fur et à mesure de la journée et des jours suivants. Alors au début, hein, Even ne va pas lâcher Kajika des yeux. C'est maman ma poulette. C'est mamie. Elle vient t'aider à s'occuper des bébés. Voilà, elle a décidé de se poser là et elle attend. Elle donne pas mal de signaux d'apaisement. Donc voilà, une demi-heure.
bien après l'intégration de Kajika, on a une distance de sécurité qui s'est vraiment réduite très très vite. Tu es une très très bonne maman, Maëlle. Un petit sniff d'adaptine. Donc là, on a Angel qui profite des trois petits garçons, évidemment, sous la surveillance d'Evan qui reste avec les filles. J'adore quand ils font ça. Le petit mâle turquoise. Voilà, petit bibou. Ah, ça c'est ta patte, mon loulou. Alors aujourd'hui nous avons donc 1,1 kg pour mon petit ours marron.